Inès, elle a appris la courir à l'envers. Elle est trop seule. Je vais tout lui réapprendre. Il est 21h54. Prends des vitamines, mange, repose-toi et arrête de vouloir courir dans tous les sens H24. Faut que t'aies une journée où tu bouges pas de chez toi, genre pas du tout. À se mettre avec elle ou à la marier. Je pense plutôt que c'est mon exposition, le fait que j'ai fait de la télé-réalité, le fait que je sois sexy dans la façon dont je danse. Ça fait beaucoup d'informations pour un homme pour pouvoir se mettre avec moi s'il ne me connaît pas moi telle que je suis dans la vraie vie. S'il s'arrête à l'image que je renvoie aux réseaux sociaux, c'est clair. Mais moi, en tant qu'homme, si j'étais un homme, genre voir une femme comme ça, c'est soit j'ai les épaules ou soit je laisse tomber. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça sur ça. Mais... voilà. Après, on va dire que les Français, ils ont tellement l'esprit fermé. C'est tellement compliqué pour eux de se mettre avec une meuf comme ça, follower, artiste, etc. Et je peux le comprendre. C'est pour ça qu'en vrai, que je sois célibataire, c'est pas en mode genre, je comprends pas. Je le comprends, genre, je le comprends. C'est juste que je comprends pas pourquoi les hommes n'essaient pas d'apprendre à me connaître et savoir qui je suis vraiment, tout simplement. Voilà. Et à contrario, je suis très consciente sur le fait que quand t'es en couple, il y a des concessions à faire. Donc si demain je suis en couple avec quelqu'un, bien évidemment, il y a plein de choses que je vais devoir stopper ou diminuer parce que ben, c'est comme ça, quand t'es dans un couple, il y a le respect, il y a l'image, enfin, tu es l'image de ton homme. Donc si tu te comportes d'une façon qui fait que, voilà, tu vois. Donc voilà. Mais ça, c'est un débat qui, pour moi, c'est un débat sans fin. Parce qu'il y a tellement de personnes qui voient les choses différemment, de perspectives. Zuma, je vais être très sincère avec toi. Déjà, petit 1, moi, je ne suis pas une fille hyper matérialiste. Ça veut dire que je ne suis pas la meuf, dès qu'elle a de l'argent, elle va dépenser chez Louis Vuitton, chez Balenciaga. De temps en temps, je vais me faire des petites folies. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois bien, je ne suis pas Rolexée, je n'ai pas de Cartier, j'ai pas tout ça. Si demain, mon mari, il a l'argent et qu'il veut me faire plaisir, let's go. Mais de mon plein gré... C'est pas mon délire, j'irai pas acheter, je trouve ça inutile. Et si c'est pour montrer au peuple que t'as ça et après voilà, pour prouver que t'es quelqu'un dans la street, ça m'intéresse pas. Je te dis la vérité. Maintenant, je veux un mec qui a une situation financière parce que j'estime que moi je fais de l'argent, je peux pas me mettre avec une personne qui se débrouille dans sa vie. D'accord? Je suis pas là pour m'enfoncer dans ma vie, je suis là pour m'élever dans ma vie. Donc,